Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode 31 du balado du Dr. Ken. Alors, j'essaie en ce début de nouvelle année une nouvelle plateforme. Donc, merci de m'indiquer si, pour ceux et celles qui sont là, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si vous m'entendez, si vous m'entendez pas. Donc, vous pouvez laisser des commentaires. Selon le média que vous écoutez le balado, surtout si c'est en direct, parce que parfois les balados sont en rediffusion. Dans ce cas-ci, c'est en direct. Donc, n'hésitez pas à commenter, me dire que tout va bien, tout va mal, et à ce moment-là, je pourrai continuer. Cette balado-là va être également enregistrée. Donc, ça sera disponible aussi en rediffusion, à moins que les pépins surviennent. Donc, aujourd'hui, question de merci, Johan. Question de savoir, d'être de son temps, janvier, résolution, je ne pouvais pas passer à côté. Je pouvais effectivement passer à côté, mais j'ai eu pas mal de questions là-dessus. J'ai eu des demandes. Puis bon, certains éléments là, qui sont sortis là, sur le poids, puis les programmes de perte de poids. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas aborder ça sans nécessairement avoir le gros article scientifique en appui, mais juste pour voir, ce serait quoi les principaux déterminants ou qu'est-ce qui sont les bonnes caractéristiques qu'on devrait rechercher dans un programme de perte de poids? Alors, qu'est-ce qu'on devrait viser? Qu'est-ce qui est un indicateur que on s'en va dans la bonne direction ou non? La plupart du temps, quand on regarde ça, les gens vont dire, le principal indicateur, c'est est-ce que ça marche? Et leur définition de si ça marche, c'est tout simplement est-ce que j'arrive à perdre du poids? Donc, si je perds du poids, ça va fonctionner, ça va être correct. Si je perds pas de poids, ça veut dire que le programme fonctionne pas. Donc, c'est vraiment le déterminant majeur, puis c'est la source, bien humblement selon moi, de beaucoup de problèmes. Parce que on fait le focus sur la mauvaise chose. Puis c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, okay, je veux perdre du poids, donc mon indicateur de succès, ça va être la perte de poids. Il y a 10, 15, 20 ans, j'aurais dit, c'est un raisonnement qui fait du sens, c'est tout à fait logique, c'est plus on perd de poids, plus ça fonctionne. Mais maintenant, on a beaucoup de données scientifiques sur les mécanismes au niveau de la perte de poids, qu'est-ce qui favorise une perte de poids qu'on est capable de maintenir, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on ne maintiendra pas la perte de poids. Et c'est quand même des données assez complexes. C'est des informations, parfois, qu'on a accès seulement à des petites parcelles. Puis on va penser qu'on a toute l'information. Je vous donne un exemple, là, j'en parle souvent, mais l'exercice n'est pas efficace pour la perte de poids, donc faut pas s'entraîner pour perdre du poids parce que c'est pas dans le top 5 des déterminants de la perte de poids, l'exercice. Ah, bon, OK. Donc là, on va conclure tout de suite que l'exercice n'est pas bon. Donc, si j'ai un programme de perte de poids qui mise sur l'exercice, systématiquement là, ce programme sera pas bon. Pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont être à considérer là-dedans. C'est ça que j'aimerais vous amener peut-être à avoir une perception différente d'une approche de perte de poids. Puis, pour ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître un petit peu. Puis, c'est ça. Je suis pas du genre à faire de l'infopub sur mes produits, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, moi, j'ai essayé de mettre ça là, un peu en boîte sous format d'un programme en ligne. Fait que je pourrais, là, ceux et celles qui sont intéressés, vous donner le lien vers ça. C'est pas gratis, mais c'est un programme, dans le fond, qui englobe ou qui essaie d'englober ce que je vais présenter.
Donc, notre premier indicateur, on ne veut pas chercher à perdre du poids. Il ne faut pas que ce soit ça notre indicateur de succès parce que la perte de poids, c'est la conséquence de certaines modifications qui, elles, sont la clé du succès. Donc, si uniquement ma référence, c'est les fluctuations de poids corporel, les difficultés que je vais avoir, c'est premièrement mon évaluation de cette perte de poids-là. La plupart du temps, ça va être une pesée. La pesée, c'est variable, il y a plusieurs facteurs. Les gens sont au courant, ils disent « Ah oui, là c'est normal, je viens de manger » ou « Ah, je suis en fin de journée, il faut toujours que tu te pèses au même moment. » Donc, on a une idée générale que ben, le poids peut fluctuer et c'est normal. Sauf que cette conception-là, cette connaissance-là des fluctuations du poids total, mais ça ne se traduit pas nécessairement dans ce qu'on vit quand on se pèse. Donc, quand les gens vont se peser, s'ils veulent perdre du poids, puis le pèse-personne indique qu'ils ont pris du poids, et ils n'auront pas l'impression que ça va dans la bonne direction. Ils vont tout de suite se sentir en situation d'échec, comme quoi ça fonctionne pas, comme quoi ben on n'y arrivera pas. Parce que ben le poids il a augmenté alors qu'on voulait qu'il descende. Mais 5 minutes après, on pourrait jaser avec ces gens-là, puis ils vont dire « Ah oui, mais on se pèse pas nécessairement toujours au même moment, donc ça joue, puis… » Mais il l'intègre pas. Donc, ça a un effet beaucoup sur le moral, sur la motivation, quand le pèse-personne n'indique pas ce qu'on souhaite ou ce à quoi on s'attend. Donc, cette problématique-là est exacerbée aussi par le fait que le poids va fluctuer potentiellement un peu plus qu'on pense dans une journée, d'une journée à l'autre. Et c'est pas parce qu'on se pèse le matin, toujours habillé de la même façon, après être allé à la toilette, qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Il va en rester une. Donc, je n'avais déjà parlé, il reste toujours de la masse en transit dans le système digestif. Donc, à moins d'avoir un lavement ou des choses comme ça, il va toujours avoir une fluctuation sur le pèse-personne. Donc, n'importe quel changement qui est inférieur à 1 kg, donc 2,2 livres, on ne peut pas considérer ça comme un changement significatif. Donc, c'est vraiment sur les tendances qu'on peut avoir une meilleure idée. Alors, si votre programme de perte de poids évalue uniquement le poids et ses fluctuations, bien là, à ce moment-là, on va se ramasser avec potentiellement des problèmes. Donc ça, c'est un premier signe. Si la seule méthode d'évaluation du succès ou de la progression de votre programme de poids, ça se limite à une pesée et qu'il n'y a pas d'autres informations qui sont recueillies, bien on se limite beaucoup. Donc ça réduit les chances de succès d'intervention parce que ça nous prive de certaines informations, à savoir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut modifier ça. Donc ça, c'est notre premier indicateur. L'évaluation devrait être plus complète qu'uniquement une pesée. Ça n'a pas besoin d'être des grosses analyses hyper technologiques, mais on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on a besoin comme information qui est absolument nécessaire, mais qui est rarement recueillie, soit par manque de connaissances, soit par manque de ressources. Alors, lorsqu'on veut perdre du poids, ce qu'on sait, puis ça c'est clair, c'est pas quelque chose qui est assujetti à un débat, même si sur les internets, s'il y a toujours encore des débats, c'est un déficit énergétique. Donc, le déficit énergétique, c'est ce qui va engendrer la perte de poids. Sinon, si vous perdez du poids, ben c'est parce qu'on vous a coupé une jambe, c'est parce que vous avez été amputé. Si vous perdez du poids la plupart du temps, de façon significative, on s'entend, là, pas une fluctuation de masse qui est en transit dans votre système digestif. Si vous perdez du poids, c'est fort probablement que vous avez été exposé à un déficit énergétique. Ce déficit énergétique-là, c'est comment il est créé que ça devient difficile à cibler. Puis c'est là que, c'est pour ça que les gens disent « Ah, c'est pas vrai, une calorie qui rentre, une calorie qui sort, ça tient pas la route. » Ben, c'est parce que le déficit énergétique peut prendre plusieurs formes et on n'est pas très bon pour déterminer les apports caloriques et on n'est pas très bon pour déterminer la dépense énergétique. Donc, on a une énorme marge d'erreur. Alors, dans votre programme de perte de poids, il faut tenir compte de cette marge d'erreur-là. Je vois souvent des programmes qui sont extrêmement stricts et qui se disent, le terme à la mode maintenant, c'est des programmes qui se disent « agiles ». Donc, on réajuste super rapidement. Dès qu'on voit que vous ne répondez pas, on réajuste rapidement. Les gens ont l'impression que c'est un plus. Ils disent « Ah ben good, si je ne m'en vais pas dans la bonne direction, je vais le savoir tout de suite. » Le problème de ça, c'est quand on varie, quand on fluctue beaucoup, ben on dépend énormément des informations qu'on va recueillir pour prendre les décisions. Par exemple, si mon poids augmente, puis je dis « Ah ben mon poids augmente, tout de suite on va corriger le tir, je vais couper des calories. » Il me manque une tonne d'informations. Pourquoi mon poids a augmenté? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé plus? Est-ce que c'est parce que j'ai bougé moins? Est-ce que c'est une combinaison des deux?
est-ce que c'est une erreur de mesure que mon poids est à peu près pareil? Mais donc, plus on réajuste fréquemment et de façon ponctuelle, plus on risque de faire du surplace ou encore pire, tourner en rond. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on a des changements trop rapides, on n'est pas capable de se fier sur des tendances, sur des informations concrètes, eh bien, on va se ramasser à tout le temps changer puis ne jamais être capable de suivre une ligne directrice qui va nous amener à incorporer des changements. Donc, de réajuster rapidement, j'ai encore fait le tour un petit peu là, de différents programmes, puis c'est rendu, là, écoute, en 24 heures, on réajuste l'intervention pour s'assurer que vous en allez dans la bonne direction. Moi, je suis pas convaincu que c'est une bonne chose parce que ça risque de se traduire par « on va couper davantage les calories pour être sûr que vous êtes soumis à un déficit calorique important qui vous donne pas le choix de perdre du poids ». Puis si on vient à notre premier point, que notre indicateur de succès, c'est la perte de poids, ben dès qu'on va réussir à atteindre ce gros déficit-là, on va dire « yes, finalement, je perds du poids, tant mieux, on a bien fait de réajuster rapidement, comme ça, je m'en vais vers le succès ». Puis, c'est fort probablement pas le cas. Donc, on veut être capable de se baser sur des informations. Donc, lorsqu'on rentre dans un programme de gestion de poids, ben il va falloir être en mesure de bien identifier la nature de l'équilibre énergétique ou du déséquilibre énergétique. Ça veut dire qu'on s'en sort pas. Il faut avoir une façon d'évaluer ce que vous faites sur 24 heures. Il faut avoir une façon d'évaluer ce que vous consommez en termes de calories. Ça veut pas dire de tout mesurer à la calorie près. Ça veut pas dire de tout mesurer, de tout peser. Il y a plein de façons d'y arriver. Il faut juste s'assurer qu'on évalue ça pour avoir un portrait initial. Donc, le programme de perte de poids doit évaluer globalement au début quel est votre état au niveau de la balance énergétique. Est-ce que vous êtes en équilibre énergétique? Est-ce que vous êtes en surplus? Est-ce que vous êtes en déficit? S'il n'y a pas cette évaluation-là, eh bien là, on risque encore une fois de prendre des décisions sur des données fluctuantes ou des données qui ne sont pas nécessairement représentatives de ce qui se passe. Et ça ne nous mènera pas nécessairement vers quelque chose d'une belle réussite. Donc, l'exemple le plus simple, à la base, bien, la première question qu'on devrait essayer qu'on devrait poser ou la première chose qu'on devrait établir, c'est est-ce que le poids est stable? Donc, si le poids est stable, ça fait 2, 3, 4 semaines qu'on est à plus ou moins 1 kg du même poids, donc plus ou moins 2,2 livres, ben ça veut dire qu'on est en équilibre énergétique. Donc, ça, c'est une première étape. Donc, ça veut dire que ce qu'on dépense comme calories équivaut approximativement à ce qu'on consomme. Ça, c'est notre valeur de référence. Et ensuite, le programme doit chercher à bâtir sur ça, sur cet équilibre-là. On va dire parfait, le poids est stable, on consomme une quantité équivalente de calories à ce qu'on dépense, à quelques calories près. Maintenant, comment on va jouer sur soit les apports, soit la dépense? Et là, il y a plein de stratégies. Sauf que dans les programmes de perte de poids, bien souvent, ça va être étiqueté avec une stratégie qu'on va essayer d'appliquer à la plus grande quantité de gens. Donc, on va dire, nous, c'est de l'entraînement par intervalle à haute intensité, c'est cette intervention-là. Et là, on va justifier ça avec plein d'articles. On va dire, voici un article scientifique qui démontre qu'il y a plus d'oxydation des lipides suite à l'entraînement par intervalle à haute intensité. Donc, nous, on mise là-dessus, puis vous allez perdre du poids. Et j'ouvre une parenthèse. Si on a un projet de recherche, une publication scientifique qui démontre que l'entraînement X permet d'oxyder plus de lipides que l'entraînement Y, c'est pas une étude sur la perte de poids. C'est une étude sur l'utilisation des substrats à l'effort. Et ça, c'est une nuance super importante parce que c'est pas parce qu'on brûle plus de gras lors d'un exercice X ou Y qu'on va perdre du poids. Parce qu'on peut brûler plus de gras en faisant de l'entraînement par intervalle, mais on peut se retrouver à la fin de la journée à avoir une balance énergétique positive, un surplus de calories et à prendre du poids quand même. Donc, lorsqu'on tombe dans l'intervention associée au programme, bien, l'intervention, elle doit cibler soit les apports énergétiques, donc la nutrition, soit la dépense énergétique, donc l'ensemble de l'activité physique sur 24 heures, pas uniquement l'exercice. Et on doit s'assurer que l'intervention fait en sorte qu'on crée un déficit énergétique qui est gérable. Parce que c'est facile de perdre du poids. Vous arrêtez de manger, vous allez perdre du poids. On coupe les apports à zéro, c'est la chose la plus facile à contrôler. Mathématiquement parlant, si vous ingérez rien, vous allez consommer zéro calorie, donc on sait que vous êtes à zéro, et là, c'est sûr que vous allez perdre du poids. Puis à chaque fois que je dis ça, les gens disent « ben oui, mais ça fait pas de sens, ça marchera pas ». Ben non, c'est vrai, ça marchera pas, parce qu'on n'a pas le choix, on va remanger à un moment donné ou à un autre. Mais
C'est la même chose quand on va créer un déficit énergétique trop important. Donc, si je coupe trop, si je fais une diète qui est trop réduite en calories, ben c'est sur un continuum. On n'est pas à zéro calorie qui rentre, mais on est à vraiment pas assez. Ce qui va faire en sorte que oui, je vais perdre du poids, mais c'est pas plus soutenable. C'est pas parce que je mange 4 céleri au lieu de 0 céleri que là, tout d'un coup, ça va être soutenable. Ça va me permettre magiquement de perdre du poids avec succès, etc. Puis je fais référence à il y a plusieurs années, moi je me souviens. Je travaillais sur un plateau d'entraînement, puis c'était la diète soupe aux choux pour perdre du poids. Donc, tu mangeais juste de la soupe aux choux toute la journée, puis ça faisait perdre du poids, puis les gens embarquaient là-dessus. Je disais, ben, si tu prends une diète zéro calorie, les gens disaient, es-tu malade, zéro calorie? Ça n'a pas de bon sens. Mais juste de consommer du chou puis de l'eau, ça fait du sens. Tout d'un coup, ça devrait plus marcher. Puis effectivement, ça fonctionnait parce que les gens perdaient du poids. Ils en perdaient un petit peu moins que s'il n'avait rien mangé, mais il n'était pas capable de suivre la diète. Il faisait ça pendant une semaine, puis après ça, ben, il cassait. Là. Parce que si jamais il y en a qui ont envie de l'essayer, de la soupe aux choux en grande quantité, seulement ça, il y a des effets secondaires gastro-intestinaux particuliers qui ne sont pas nécessairement agréables pour l'environnement immédiat. Donc, c'est des éléments à considérer. Donc, lorsqu'on va cibler au niveau de l'intervention soit les apports, soit la dépense, ou encore les deux, bien, il faut être capable de déterminer si ça a, si l'effet escompté arrive. Donc, si moi, je commence à... Je vais prendre une diète qui a été à la mode pendant un certain temps, la diète cétogénique, donc le fameux keto. Bien, si j'embarque sur le keto et je consomme plus de calories qu'avant, bien, si mon intervention, c'est de réduire mon apport en calories, ça ne fonctionnera pas. L'autre personne à côté, si elle commence à suivre une diète keto puis elle consomme moins de calories qu'elle consommait avant, bien, ça se peut que ça fonctionne pour elle. Donc, à la limite, on s'en fout que ça soit keto, pas keto, peu importe. C'est est-ce que la stratégie qu'on met en place a l'effet escompté? Est-ce que le fait que je souhaite réduire mes apports nutritionnels avec une approche X fait en sorte que je consomme effectivement moins de calories? Et ça, c'est bien important. Donc, si je compte pas les calories, si je mesure rien, si j'ai aucune idée, aucune façon de quantifier ce que je mange, que ce soit la grosseur des assiettes, le nombre de bouchées que je prends, peu importe comment on veut comptabiliser ça, ça devient très, très difficile parce qu'on se fie uniquement à des perceptions. Et les perceptions vont être influencées par plein de facteurs, des facteurs sociaux, environnementaux, puis aussi des facteurs hormonaux internes. Donc, la régulation de l'appétit, c'est pas juste une question de feeling, c'est pas juste une question de sensation. Donc, les sensations qu'on a peuvent être fortement influencées par notre environnement, par notre sommeil, il y a plein de choses. Donc, si on n'a pas de mesure objective ou une façon de quantifier objectivement ce qu'on va consommer, bien, une intervention qui vise la réduction des apports, ça va être très difficile de savoir si effectivement on a réduit ou non les apports. Donc, on peut même pas se fier uniquement à la faim. Donc, il y a des gens qui vont, si je vous fais manger, puis je dis souvent à la blague cet exemple-là, mais des panneaux de chips, du Jeep Rock, vous allez voir que vous aurez plus faim assez vite et ça va être super efficace pour la perte de poids. Mais ça fait aucun sens, ça marche pas. Donc, il faudrait voir, ben, est-ce que c'est nutritif, est-ce que c'est pas nutritif, puis combien j'en mange. Donc, il faut vraiment être en mesure d'avoir une idée. Pour les gens qui fuient là, la pesée puis la mesure, ben, une façon de contourner ça, c'est ben, la cuisine. Si vous cuisinez vos repas, vous n'aurez pas le choix de quantifier, non pas dans une perspective de restriction, mais dans une perspective de réussir sa recette. Donc, si vous faites toujours la même recette et que vous en mangez à peu près toujours la même quantité, ben, on peut supposer que vous allez avoir à peu près les mêmes apports énergétiques et en macronutriments et micronutriments. Donc ça, c'est une autre façon de cuisiner. S'il y en a qui ne veulent pas cuisiner, ben, d'utiliser une référence visuelle dans l'assiette. De voir, ben, moi, quand je mange un steak, ça prend toujours le quart de mon assiette à peu près. Donc, avoir une référence visuelle. Si je prends un steak qui est la moitié de mon assiette, ben, je sais que je consomme plus. Donc, mais ça nous prend une forme d'évaluation qui n'est pas nécessairement comptabiliser les calories, c'est pas nécessairement peser, mais ça nous prend une référence objective qui ne dépend pas uniquement de notre perception ou de nos sensations ou de nos mécanismes de satiété. Parce que ceux-là peuvent fluctuer selon plein de facteurs. Du côté de l'activité physique, ça va être la même chose. Si on n'évalue pas ce que vous faites sur 24 heures, si on n'a pas une idée si vous bougez plus ou moins, on a exactement le même problème qu'au niveau nutritionnel. C'est que vous ne pourrez pas savoir si vous dépensez effectivement plus de calories ou moins de calories. Donc, j'en ai parlé souvent ça aussi, mais si vous commencez à vous entraîner,
Ça ne veut pas dire que vous allez dépenser plus de calories dans la journée. Il y a pas mal de gens, quand ils commencent à s'entraîner, ils vont dépenser moins de calories sur 24 heures. Ils vont bouger moins le restant de la journée, ils vont être plus fatigués, plein de bonnes raisons. Mais ça fait en sorte qu'au final, l'intervention qui voulait créer un déficit énergétique en augmentant la dépense d'énergie via l'exercice a l'effet contraire. Donc, si on n'a pas une quantification de ce qu'on fait dans la journée dans le programme de perte de poids, ça ne va pas bien. Donc, moins on a ces informations-là, plus pour réussir l'intervention de perte de poids, bien, ça prend des interventions drastiques. Donc, ça va prendre une diète à 800 calories, ça va prendre le programme d'entraînement à un marathon par jour. Donc, ça prend des choses extrêmes pour s'assurer qu'on n'a pas le choix d'être en déficit énergétique. Mais ça, c'est pas soutenable. Donc, si on évalue la perte de poids, ben à court terme, ça va très bien. Si on regarde à moyen et à long terme, ça perd énormément d'efficacité. Et la plupart du temps, on n'atteint pas l'objectif de perte de poids là, avec ces interventions trop drastiques là. Alors donc, bien important, quantification, ça c'est un peu la base. Donc on veut, c'est la perte de poids, c'est vraiment une évaluation du mode de vie, une évaluation de la balance énergétique initiale. Ensuite de ça, c'est de mettre en place une intervention, peu importe laquelle, qui va faire en sorte que on va être en mesure de manger peut-être un petit peu moins ou encore de bouger un petit peu plus et d'être exposé pour une période prolongée à un déficit énergétique qu'on est capable de gérer. Donc, plus le déficit énergétique est important, mais plus ça va être difficile à gérer. Il y a certaines personnes, par exemple, plus une personne va avoir un poids important, plus la personne va être dans un état d'obésité très important, bien, plus un déficit énergétique important peut être tolérable. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres conséquences, mais ça veut dire qu'on a une plus grande tolérance que si le poids est beaucoup moindre, si la masse grasse est beaucoup moindre. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui vont être à considérer là, dans le processus. Ensuite de ça, là, on est vraiment dans le processus d'évaluation, un petit peu l'intervention. Puis je vous dirais que l'intervention, c'est pas tellement ça qui est important pour créer le déficit énergétique. Parce que la meilleure façon de créer un déficit énergétique, ça va être de réussir à augmenter le potentiel de quelqu'un de dépenser des calories. Donc, c'est la façon la plus durable. Donc, couper les calories, se restreindre, c'est dans une société où il y a une abondance énergétique, c'est super difficile à maintenir. Il y a énormément de calories au kilomètre carré dans nos sociétés. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une pression. Là. Ça, c'est un peu là, pour ceux et celles qui ont fait de la chimie là, avec des gradients de concentration. Quand tu as une matière qui a beaucoup, beaucoup, qui est très, très concentrée d'un bord, puis de l'autre côté qui n'a pas beaucoup concentré, ben ça va migrer. Ça va créer un courant dans cette direction-là. Donc, c'est un peu la même chose là, qu'on retrouve ici. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de calories autour de nous. Donc, c'est pas mal sûr qu'on va en ingérer. Il va y avoir du moins une pression pour qu'on en consomme plus, que ce soit une pression marketing, que ce soit une pression sociale, que ce soit tout simplement une pression associée à la disponibilité. Et s'il n'y a pas de calories, je ne peux pas en manger. S'il y en a, ben je peux. Donc, ça va être difficile si on cherche uniquement à couper dans les calories. Par contre, augmenter la quantité de calories qu'on dépense, ça, c'est un peu plus faisable. Il y a un petit peu moins de contraintes physiologiques à ça. Les principales contraintes ou restrictions, ça se situe beaucoup au niveau de la condition physique. Donc, plus un individu va être en forme, plus il va être en mesure de dépenser une grande quantité de calories. Ça, le moteur numéro un, c'est la capacité aérobie, le cardio. Plus votre capacité à consommer de l'oxygène est bonne, plus vous avez un gros potentiel à dépenser des calories. Alors ça va être un élément important. Si dans votre intervention de perte de poids qui vise à créer un déficit énergétique, il n'y a pas un volet qui permet l'amélioration de la condition physique, plus particulièrement la capacité aérobie, ça risque d'être difficile. Parce qu'on va rapidement limiter la quantité de calories qu'on est capable de dépenser sur 24 heures. Et plus cette capacité à dépenser des calories-là est limitée, ben moins on est capable de manger de façon adéquate et avoir un déficit énergétique. Donc, un programme d'entraînement pour la perte de poids, c'est d'abord et avant tout pas un programme d'entraînement qui vise à brûler des calories. C'est un programme d'entraînement qui vise à améliorer des qualités physiologiques entraînables, donc améliorer la condition physique, la capacité aérobie, l'endurance aérobie, la force musculaire, la flexibilité. Donc, c'est ce qu'on va cibler. On va avoir des gens qui sont de plus en plus en forme et qui sont de plus en plus aptes à bouger.
Donc ça, c'est vraiment bon, c'est le même principe qu'avec un athlète. Donc, ce qu'on va chercher à faire, on va chercher chez l'athlète à améliorer sa condition physique pour qu'il soit en mesure de mieux performer dans son sport ou sa discipline quelconque. On ne veut pas, c'est pas combien tu squattes qui détermine si tu gagnes la Coupe Stanley ou non. C'est pas combien tu curls qui détermine la puissance de ton smash au badminton. Donc, on n'évalue pas la performance des athlètes en fonction de ce qu'ils font comme entraînement, mais bien sur des performances spécifiques qu'ils vont faire. Alors, pour la perte de poids, c'est exactement ça. Donc, l'entraînement, on veut que ça serve à améliorer la capacité à bouger au quotidien et à dépenser les calories au quotidien. Donc, il faut s'assurer que le programme de perte de poids va avoir une conversion. Donc, on veut améliorer la condition physique, on veut se servir de ces nouveaux outils-là pour être en mesure de bouger plus au quotidien. Mais ce n'est pas un transfert qui est automatique. Si on prend un joueur de hockey, on l'entraîne dans le gym, mais il continue à jouer au hockey. Donc, le transfert se fait. La conversion de l'amélioration des qualités physiologiques, ben, ça se fait de pair avec ben, au hockey qui joue, qui pratique 2-3 fois par semaine. Au niveau de la perte de poids, si j'améliore ma condition physique, si je fais rien d'autre dans mon quotidien pour alimenter cette conversion-là, je vais être plus en forme, mais je ne bougerai pas plus. Donc, le programme de perte de poids qui va avoir du succès, non? Ça va être un programme qui va réussir à prendre les qualités qu'on a améliorées et à les canaliser dans des activités qui permettent de dépenser beaucoup de calories. Donc, je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui a une capacité aérobie qui est très, très faible. Donc, vraiment pas un bon VO2. Ça fait en sorte que par minute, ben, elle n'est pas capable de transformer beaucoup d'énergie. Elle ne peut pas, là. Elle n'a pas le moteur pour. Donc, elle a un moteur de 0,4 litres. Donc, elle ne peut pas consommer autant d'essence par minute qu'un moteur de 6 litres ou 7 litres ou 8 litres. Alors, si je veux qu'elle soit en mesure de brûler plus de calories, une fois que j'améliore sa VO2. Une fois que sa VO2, sa capacité aérobie augmente, bien, ça ne veut pas dire qu'elle va dépenser plus de calories. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on commence à introduire des activités autres qui vont tirer profit d'une meilleure capacité aérobie et qui vont donner quelque chose d'agréable. Dans le cas de la dame en question, ben c'est du hiking. Donc, marche en montagne, forêt, etc. Elle aime beaucoup ça. Donc, on veut améliorer sa capacité aérobie pour qu'elle soit capable de prendre des marches qui vont demander un peu plus d'intensité. Par exemple, monter, au lieu de faire le Mont-Royal, ben, elle va être capable de faire le Mont-Marcy parce qu'elle a une meilleure condition physique. Donc, monter le Mont-Marcy, c'est pas mal plus de calories que monter le Mont-Royal. Alors, c'est vraiment cette conversion-là, mais je ne peux pas attendre que sa VO2 monte puis qu'on se dise, boum, on s'en va au Mont-Marcy à tous les jours. Donc, progressivement, il faut avoir des petits objectifs de dire, ben, quelles activités on va faire qui profitent de la VO2? Ben, là, on va essayer de marcher un peu plus, que ce soit pour le travail, que ce soit au travail. L'opportunité, elle, de toujours être en présentiel puis d'avoir des escaliers. Donc, on essaie d'accumuler le plus d'escaliers possible durant la journée sans créer trop de fatigue. Alors, l'avantage, c'est qu'elle a une montre intelligente qui calcule assez bien les étages qu'elle monte par jour. Donc, on se base beaucoup, beaucoup là-dessus. Et dans le fond, c'est ce nombre d'étages-là qu'on veut garder constant pendant une semaine. La semaine suivante, on veut l'augmenter de 2-3%. Donc, c'est des petites augmentations comme ça. Et ça se fait conjointement avec l'entraînement qui vise l'amélioration de la VO2. Alors, c'est exactement comme un joueur de hockey. Donc, il va s'entraîner en musculation, améliorer sa force, sa puissance. Et on va continuer à patiner pour que cette force, cette puissance-là nouvellement acquise nous permette de patiner plus vite. Donc, c'est vraiment un travail en continu. C'est pas séquentiel. C'est pas, bon, ben, ta VO2 est à 17 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Ceux et celles qui sont pas familiers avec ça, c'est vraiment pas bon. Ça veut pas dire que c'est pas du bon monde. C'est juste que c'est un chiffre qui est très, très bas. Ça ne permet pas de dépenser beaucoup de calories minute. Et, ben, j'attendrai pas qu'il soit rendu à 40. Parce que le temps que ça passe de 17 à 40, c'est tout du temps que je vais perdre si j'attends ça. Donc, on a une quantité d'étages qui est moindre à monter par jour tant que sa VO2 n'est pas montée en haut de 20-25. Puis, quand on va atteindre un 20-25, ben là, on va progressivement augmenter le challenge puis on va se permettre de faire un peu plus d'escalier. Alors, c'est un exemple simple, mais c'est vraiment ça qu'on veut chercher à faire. Donc, cette conversion-là,
des gains en condition physique vers un mode de vie plus actif, c'est essentiel et ça doit se faire de façon fluide et simultanée. Et c'est ça que c'est le challenge. C'est très, 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 très difficile à faire. C'est difficile à atteindre, mais c'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Si c'était facile, et je serais bien content parce que je ferais d'autres choses dans la vie, là. Je pense que je serais en informatique. Alors, donc cette conversion-là va être importante. Donc, quand on magasine son programme de perte de poids, ben c'est de regarder comment ce programme-là va faire en sorte que dans mon quotidien, je vais être en mesure de bouger plus. Puis, est-ce que ce programme-là va faire en sorte que je vais être plus en forme? Si, par exemple, je perds pas de poids, mais que je suis plus en forme, ben c'est un gros plus. Parce que ça réduit considérablement mon risque de mortalité précoce toutes causes confondues. Fait que ça, c'est super intéressant. Donc, c'est pas vraiment un échec. T'sais, oui, on n'a pas réussi à perdre du poids, mais on est en meilleure posture, on est en meilleure santé. Donc, ça, ça devient super intéressant. Si mon programme fait en sorte que je n'améliore pas ma condition physique, puis pour une raison X ou Y qui ne fonctionne pas, ben là, j'ai vraiment perdu sur presque toute la ligne. Parce que ben, je ne suis pas en meilleure forme. Donc, mon risque de mortalité, il est pareil. J'ai pas perdu de poids, donc je suis déçu, je suis pas content. Mon risque de mortalité, ben, il est pareil, donc c'est pas intéressant. Alors, on veut vraiment chercher au pire d'avoir une amélioration de la condition physique. Ensuite, là, c'est là que ça devient dans le plus complexe, c'est que les programmes de gestion de poids doivent se faire en subtilité. Pourquoi on doit aller subtilement au niveau de créer le déficit? Parce que plus j'augmente l'activité physique de façon importante ou encore plus je réduis les apports nutritionnels de façon importante, plus ça va tirailler l'appétit, plus ça va être difficile. Donc, les mécanismes régulatoires vont être vraiment, vraiment sollicités au niveau de l'appétit. Et ça, psychologiquement, c'est dur. Donc, lorsqu'on va avoir un écart très important au niveau de la dépense énergétique et des apports énergétiques, c'est plus une question de volonté, c'est pas une question de discipline, c'est vraiment de la torture. C'est une question, c'est combien de temps on va être capable d'endurer la torture, mais c'est sûr qu'on va casser. Donc, il y a des individus qui vont casser un peu plus loin que d'autres, mais c'est comme de la torture, vous allez finir par parler. Donc, c'est le principe de la torture, là. Un bon torsionnaire va dire, c'est juste une question de temps. C'est pas comment, c'est pas pourquoi, c'est juste une question de temps. Tu as de la volonté, tu es entraîné, tu as la dureté du mental extrêmement développée, merveilleux, ça va juste être plus long, tu vas juste souffrir plus longtemps, c'est tout. Alors, c'est exactement le même principe. Plus on augmente rapidement notre dépense énergétique et ou plus on réduit de façon importante nos apports énergétiques, et plus on s'impose une torture et c'est inévitable, on n'y arrivera pas, on va casser un moment donné ou un autre. Donc, on veut y aller en subtilité et si cette subtilité-là est agréable, c'est encore mieux. Par exemple, si je commence à cuisiner puis j'ai du fun à cuisiner puis j'aime ça et je réussis à mieux contrôler mes portions de cette façon-là, c'est un gros plus parce que il y a un sentiment de réalisation, un sentiment de compétence par rapport à la réussite et c'est agréable, on aime ça. Donc là, ça c'est plus de la torture. Donc ça devient intéressant. Même chose si je vais faire de l'activité physique que j'aime. Bon, j'ai été glissé avec ma conjointe puis ma fille, c'était super le fun. Mais c'était une méchante séance de Stairmaster parce que à remonter la butte de neige, à tirer ma fille, etc., c'est une très grosse dépense énergétique et c'est super le fun. Donc ça, c'est une plus-value intéressante. Donc, c'est plus facile d'augmenter l'activité physique quand c'est agréable. Et on veut vraiment s'assurer d'avoir quelque chose de raisonnable. Et si vous n'avez pas évalué de façon adéquate votre mode de vie initialement, ben le changement que vous apportez, ça se peut que ça soit trop, puis ça se peut que ça fasse en sorte que ben vous bougez beaucoup trop pour vos capacités, vous accumulez de la fatigue et ça va stimuler votre appétit. Donc, ça va être très, très, très difficile. Donc, on veut quelque chose de planifié, quelque chose de progressif et de subtil. Donc, ça va être important parce que ça va nous assurer d'être capable de soutenir ce mode de vie-là et de laisser le temps à l'organisme de mettre en place des adaptations pour gérer ce mode de vie-là. Et ça, c'est vraiment une clé parce que le critère le plus important en termes de succès d'un programme de perte de poids, c'est comment ce programme-là est en mesure de générer des adaptations qui sont favorables à une meilleure régulation du poids.
c'est ça l'élément majeur, l'élément déterminant qui fait en sorte qu'un programme, c'est bon ou non, qui est pertinent ou pas. C'est vraiment, est-ce que ce programme-là vous permet de mettre en place des adaptations, tant physique que psychologique, que social, que technique, des apprentissages. J'ai appris un nouveau sport, une nouvelle activité, j'ai appris à cuisiner, j'ai eu plein de connaissances. Donc, tout ça, là, plus le programme vous permet d'avoir ces adaptations-là, plus c'est un succès. Et ça, c'est indépendant des changements de poids corporel. Donc, c'est ça qu'on veut mettre en place. Parce que plus vous améliorez ces capacités d'adaptation-là, plus ça devient qu'une question de temps ou de choix personnel de venir à perdre du poids. Donc, plus vous avez les outils pour perdre du poids, ben plus à un moment donné, vous allez être en mesure de bien les choisir. Si le programme ne vous donne pas les outils, ne vous permet pas de vous adapter à ça, à ce moment-là, c'est presque sûr que ben, vous allez revenir à comment vous étiez avant. Pourquoi? Parce que ben, vous n'avez pas changé. Et ça, c'est probablement le dernier point que je vais aborder. Moi, ça me fascine. Puis je dis ça vraiment sans méchanceté, là, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir bon, pour la gestion de poids, puis bon, je travaille avec, on va mesurer la dépense énergétique, on quantifie tout, puis je leur dis carrément, je dis, bon, voici la problématique, c'est ça. Au travail, il n'y a pas assez de calories qui sont dépensées. Bon, OK, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, OK, ben, ça ne changera pas, donne-moi autre chose. Je dis, non, mais on a trouvé, tu sais, tu as un bateau, là. Tu me demandes pourquoi ton bateau va pas bien. Je te dis, ben, il y a un trou en avant puis il y a de l'eau qui rentre. Tu me dis, OK, mais non, ça, je le sais. Trouve-moi autre chose. Ben, non, le problème, c'est ça. Ouais, mais si j'achetais des rames ou si je passais d'un moteur électrique à un moteur plus puissant essence, ça ferait une... Non, le problème, il est là. Donc, il y a une énorme réticence au changement, qu'il soit consciente ou non. Donc, les gens, on continue à faire la même chose. On veut rarement changer beaucoup. Et ça fait en sorte que, ben, ça marche pas. Ou on va essayer un changement drastique à très court terme. Comme j'ai mentionné, ça dure pas, puis ça empire les choses. Donc, c'est vraiment de faire des changements subtils et d'avoir une bonne prise de conscience de, ben, c'est quoi notre réalité? Pourquoi on a ce poids-là? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça prend pour le changer? Qu'est-ce que moi, je veux faire pour créer un déficit énergétique? Est-ce que c'est m'entraîner 4 fois par jour parce que je trippe puis j'aime ça puis je suis donc bien? Ben, ça se peut, ça, tant mieux si c'est ça. Est-ce que c'est aller pelleter les entrées des voisins à chaque fois qu'il y a une tempête de neige? N'importe quoi. Tant que ça respecte les éléments que j'ai présentés, c'est-à-dire que ben, c'est quelque chose qui nous permet d'améliorer notre condition physique, c'est quelque chose qui est pas un changement trop important de notre mode de vie, c'est quelque chose qui me permet soit de manger un peu moins, soit de dépenser un peu plus. Donc, c'est vraiment ça. Et après ça, la beauté de tout ça, c'est que ben on n'a plus besoin de chercher l'intervention X, Y, Z. On n'a plus besoin de regarder telle ou telle infopub. Tout ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais mieux réguler mon appétit, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais dépenser plus de calories dans ma journée, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que je suis plus en forme puis que j'ai du fun à le faire. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'on va essayer de rechercher dans un programme de perte de poids. Donc, c'est pas avec un produit, c'est pas avec une diète, c'est pas avec un programme d'entraînement, c'est pas ça. T'sais, au début du balado, je parlais du programme de perte de poids que j'ai mis en place en ligne. Puis j'ai des gens qui me disaient « Ouais, mais j'ai regardé le programme d'exercice, puis tu sais, ça me fait, je bouge pas assez que ça. » Je dis « Ben, le but du programme d'exercice, c'est juste d'améliorer un peu la condition physique. C'est pas te permettre de courir un marathon, c'est juste... Puis à la limite, tu peux ne pas faire le programme d'exercice si tu veux, faire n'importe quel autre programme d'exercice. T'sais, c'est vraiment pas ça. Puis la personne disait, ouais, mais si je fais pas l'exercice qu'il y a là, ça marchera pas. Je dis, non, tu comprends pas, là. C'est pas ça. C'est pas un programme d'exercice. C'est pas un programme de nutrition. C'est un programme qui vise à te donner les outils pour évaluer ton mode de vie, pour voir où est-ce qu'il y a le problème et surtout pour voir où sont tes limites. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu bouges pas plus? Puis c'est quoi, toi, bouger beaucoup plus? Donc, c'est vraiment au fil de ces 6 mois, là, qu'on va vraiment travailler pour arriver à voir, ben, quelles sont tes limites? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ci? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? C'est quoi manger pas beaucoup? C'est quoi manger beaucoup pour toi? C'est quoi bouger beaucoup? C'est quoi pas bouger beaucoup? Donc, c'est quoi tous ces éléments-là?
Et après ça, progressivement, on développe une certaine autonomie et là, on peut choisir qu'est-ce qu'on fait pour être en mesure de mieux gérer son poids. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, j'espère toujours que la nouvelle plateforme a bien fonctionné. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps de les poser dans la section commentaires. J'ai encore quelques instants pour y répondre. J'en profite encore aussi pour dire, si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez que j'aborde, allez-y, profitez-en, c'est gratuit. Posez-les. Au pire, je vais vous dire que c'est pas dans mes champs d'expertise, pas dans mon intérêt prochain, puis je répondrai pas à ça. Mais sinon, ça me fait plaisir de chercher à y répondre. Donc, n'hésitez pas, vos demandes spéciales. D'habitude, en janvier, ça tourne beaucoup autour de la perte de poids. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques sur la perte de poids, allez-y. Mon discours est quand même assez similaire à ce que je viens de vous présenter. Donc, si vous me demandez l'acide folique, c'est pertinent pour la perte de poids, je risque de vous répondre, ça va te faire en sorte que tu vas dépenser plus de calories, ça va te faire en sorte que tu vas manger moins de calories. Et donc, j'ai pas. Si vous me posez des questions à propos de recettes magiques, j'ai rarement les réponses avec les recettes magiques. Je pourrais probablement demander à ma fille de vous répondre, ça risque d'être encore plus intéressant. Alors, sur ce, c'était mon premier balado 2022. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence je vais en faire. J'ai une prochaine session au collégial et à l'université assez chargée. Je vais essayer d'en faire idéalement à toutes les semaines, mais ça se peut que je saute quelques semaines. Et puis, je vais vous souhaiter un bon début d'année. Je vais vous souhaiter beaucoup de joie, un bon esprit critique et d'être en mesure de prendre du recul par rapport aux choses de la vie et voir vraiment qu'est-ce qui est important. Donc, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée. We'll be right back.